Merci, on se moque. Après diagnostic, j'ai voulu revenir à quelque chose de peut-être plus organique et j'ai voulu faire un hommage à la trompette et beaucoup de trompettistes m'ont inspiré, évidemment, Horis André, qui a été certainement un peu mon grand-père spirituel. Et je vous dis un truc marrant. À la maison et au conservatoire où mon père enseignait, il y avait toujours une photo de Maurice André et j'ai longtemps cru que c'était mon grand-père. Et non, c'est vrai. Et il y a un autre trompettiste aussi que j'ai beaucoup écouté à partir de l'âge de 17 ans, 16-17 ans, c'est Miles Davis. Et donc j'ai fait un album. J'ai fait un album que j'ai appelé Wind, qui était en même temps une musique de film, d'un vieux film de René Clair. Et il y avait dans ce film beaucoup de moments d'attente et moi j'aime beaucoup ces pauses, ces attentes-là. Et j'ai fait ce morceau Waiting. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 32 ans, Miles Davis était là. Et je rêvais de faire un duo avec Miles, mais c'est pas possible. Mais franchement, être ici c'est complètement improbable. Et voire même impossible. Je me demande juste si c'est vrai ce qui est en train de se passer déjà. Soyons honnêtes, je pense qu'il y a 10 ans, puisqu'on est en train de jeter les 10 ans, personne n'aurait parié, ni même moi, sur la possibilité un jour de faire des concerts avec autant de monde qui nous accompagne à une célébration aussi belle. Et je me souviens aussi, il y a quelques années, la première personne qui m'a invité à jouer ici à Bercy. On était, allez, je vais vous dire à peu près où, au moment où il m'a invité, il avait mis une scène, c'était un peu fou. À peu près vers là où vous avez lavé la main, ouais, à peu près, c'était là-bas. Et vous savez tous qu'il est là ce soir, évidemment. Vous savez tous, c'est Mathieu Chédid, évidemment, parce que... Mathieu, c'est mon frère. Non mais ça, vous savez que nos deux grand-mères, à l'époque où vous savez que nos deux grand-mères sont toutes les deux des Libanaises qui ont émigré en Égypte, elles jouaient aux cartes il y a 80 ans ensemble à Alexandrie, je vous jure c'est pas une blague. Je vous jure c'est pas une blague. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un genre de double hommage, voilà, à Mathieu évidemment, et à Miles Davis. Voilà.